Bien, nous poursuivons notre modélisation de hôte d'aspiration. Donc, dans les précédentes vidéos, nous avons construit l'embase, donc la pièce qui sert à réaliser cette partie-là. Donc là, il y en a deux. On a réalisé la cornière qui forme donc la bride, et on a réalisé la pyramide A et la pyramide B. Pièces 2 et 3. Il nous reste donc les deux prismes A et B et le conduit d'évacuation. Donc on va commencer par réaliser donc les prismes ici. On va en réaliser un et ensuite on va pouvoir le copier pour réaliser le deuxième puisque ce sont deux pièces pratiquement identiques. Donc allons jeter un petit coup d'œil au dessin de définition. Donc en fin de compte sur ce dessin de définition il s'agit d'un sous-ensemble constitué des deux demi-profils, premier demi-profil, deuxième demi-profil. Ici on voit l'assemblage et on voit les côtes principales. Donc nous allons construire le demi-profil ici, donc de 100 de long et 49,5 de haut. C'est parti. Donc une fois que vous avez démarré SolidWorks, vous allez donc faire une nouvelle pièce. Donc dans les modèles 2012, pièces, OK. Ensuite, vous allez prendre le plan frontal, ouvrir une esquisse, et on va faire le demi-profil en U. Donc on va commencer par créer une ligne de construction, passant par le milieu ici, donc comme ceci. Ensuite, nous allons créer une première ligne, qui va être vertical, donc on va s'aligner sur l'origine ici, on s'aligne, on clique, on monte, c'est tout. Ensuite on fait échappement, on va faire un rectangle glissé et on va faire une symétrie. Ensuite on va fermer le demi-profil, voilà, et on va le coter. Donc code de 100 49,5. Voilà. On va fermer l'esquisse. On va donc créer une pièce de tôlerie à partir de cette esquisse. On va vérifier si la matière est du bon côté. Donc on voit que le profil est ici, la matière est à l'intérieur, c'est bon. On va prendre une épaisseur de matière de 1,5 et on va l'extruder sur une hauteur de... Alors... une hauteur de, on va prendre de 123, hein, qui va être la hauteur maximale pour ce demi-profil là. C'est parti. Donc 123. Voilà. On valide. Donc on laisse les autres paramètres identiques. Voilà. Donc là je viens de faire un demi-profil. On va donc se mettre en vue de face et on va devoir couper ce profil. Donc on va se mettre plus exactement en vue de dessous, voilà comme ceci, voire même en vue de droite, ce qui est encore mieux. Donc le demi-profil ici il est couché, donc on va le couper à une hauteur de 123, donc avec un angle de 130 degrés pour réaliser le demi-profil, le demi-prisme ici. Alors il s'agit duquel? Le 5, c'est le prisme B. Donc on va faire une droite à 130 degrés. Donc pour cela, on va sélectionner la face qui est ici. On va créer une nouvelle esquisse. On va donc placer un point à l'angle de la pièce. On va s'accrocher sur l'arête ici et on va venir mettre l'angle. Alors, on va bien vérifier comment est positionné notre angle. Donc, il s'agit d'un angle entre l'horizontale et le profil incliné, la droite inclinée. Donc, on va coter ça comme ça, entre ceci et ceci. Et là, on va avoir 130 degrés. Voilà. À partir de là, on va fermer notre profil,
ça on va pas avoir de soucis pour enlever la matière. Échappement. Donc mon profil ici est fermé. Je fais donc un enlèvement de matière à travers tout. Voilà. Donc là, il s'agit du prisme B, on a dit. Donc là, on va faire fichier enregistrer sous. On va l'appeler donc prisme B.